J'aimerais demander à Sulfur, je veux Bon, et encore, je peux vous aider. Je suis une poète et je veux écrire une nouvelle épopée. J'ai toujours aimé l'Odyssée et pour moi, Homère est un héros à part entière. J'aspire à écrire l'Odyssée d'Eternum, la grande épopée de cette île étrange. Qu'est-ce que cela a à faire avec moi ? J'ai entendu parler d'un monstre d'une taille incommensurable qui rôde dans les dunes. Une bête si massive que le puissant Hercule lui-même hésiterait à l'affronter. Mais vous, grande figure héroïque, je pense que vous pouvez le tuer. Le dévoreur voulait que je tue un dévoreur ? Le dévoreur ? Oh oui, oui, celui-là même ! J'ai appris qu'un groupe cherche à en invoquer un pour leur plan maléfique. Si vous pouviez y mettre un terme, vous gagneriez votre place parmi les plus grands noms de l'histoire. Voilà, ouais, déterre. Il y avait quand même un souci de la refonte du leveling. Ah, je suis d'accord que le storytelling était très mauvais. Le fond était bon. Mais le storytelling était effectivement pas bon. Par contre, de dire que le leveling était mauvais, dans ce cas-là, quel MMORPG a un bon leveling ? Et là, il y a toujours un connard. Hein, Swotor, c'était trop bien. Oui, mais Swotor, c'était pas un bon MMORPG. Ça a évolué depuis le temps, mais c'était pas un bon MMORPG à la sortie. Le leveling était bon, pourquoi ? Parce que c'est BioWare, et BioWare, c'est bien faire des RPG solo. Point d'exclamation monstre, Arxpire. Mais à aucun moment, tu vois, par exemple, Swotor était un bon MMORPG. C'est pour ça qu'il s'est planté initialement, et qui, pour le coup, il s'est bien repris par la suite. Donc non, le leveling était 101, il était ni bon ni mauvais, mais me dire qu'il est infâme alors que tu spammais les tableaux, encore une fois, c'est toi le problème. Et ça, c'est important de le mettre dans le crâne, quoi. Et merci Mou pour le 25e mois d'abonnement. Ceux qui faisaient le coffre, pour certains, attends, c'est... Ça, déjà, si tu crois au data mining... C'est le seul problème que j'ai. J'adore New World, hein, mais c'est le seul problème à le streamer, c'est qu'il y a toujours des casse-burnes. T'as toujours les Jean-Claude. En fait, le plus grand défaut actuellement de New World, c'est les mecs qui ont joué les deux premiers mois, qui croient tout savoir sur le jeu, qui te disent conneries sur conneries, et c'est fatigant. Qui sont toujours pas passés à autre chose, en fait. Comme un ex-toxique. Toujours la même analogie. Hein. Le Jean-Claude release, effectivement. Alors, Dévoreur, recommandé 600 et 625. Ouais, plutôt 625, les gars. Quotidienne, ouais. Non, mais j'espère que c'est légendaire quoi qu'il arrive, hein, faut pas déconner. Hein. C'est légendaire en rien. Hein. Ah, il y a trois perks, logiquement. Ok, donc c'est du légendaire, je sais pas pourquoi c'est en épique, mais il y a trois perks. Ça va, Bibou ? Récupère les chaises. Merci, Arxpire. Tiens. Tada! Il est là. Résister au terrible danger de l'acide. Ouais, l'acide, il pique. Non, constamment, Jimarus. En fait, à chaque fois qu'il y aura un nouveau lancement, t'as toujours des gens pour dire la merde sur le jeu. Constamment. C'est... Toxicité humaine, quoi. Moi, tout ce que je veux, c'est streamer le jeu pépère avec ceux que ça intéresse. Mais il y a toujours les casse-burnes. Non, le pexing était nul, blablabla. Non, y'a personne, c'est un dead game, trop lol, c'est la merde New World. J'en ai tous les jours, y'en a encore eu un tout à l'heure. Ah, c'est pas un dead game, je fais une vidéo tout à l'heure, premier commentaire, ah, y'a encore des gens sur New World, lol. En fait, ça fait 2 ans, ils sont toujours pas passés à autre chose, quoi. C'est ouf. Moi, que vous aimiez pas le jeu en soi, je m'en carre le fion, mais passez à autre chose, quoi. Et surtout, arrêtez de dire les conneries, le concernant. Ça, c'est bien de la merde. Parlons de ça. Il n'y a pas de serveur français sans Godrim, ce que les serveurs européens, désolé. Zéro serveur FR, par contre, il y a donc. J'ai compris que c'est une blague, Polak, fort heureusement. Enfin, je crois que c'est une blague. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc le jeu est 100% européen. Mais la France, ça tombe bien, la France est en Europe. Résultat, bah, qui est européen dit aussi qu'il y aura des Français, des Anglais, des Espagnols, des Allemands, et ainsi de suite. On va pas voir tous les pays, j'ai la flemme. Ok. Saison 2, concentrons-nous là-dessus. Objet avec un scarabée d'or. Je peux pas encore monter, je crois, un métier de craft assez haut niveau. J'ai pas de métier hein, de fabrication qui peut me permettre ça. Non. Fabrication... Ah, peut-être la fabrication d'armes, on va essayer, attendez. C'est
coûte combien un scarabée d'or? Viens voir ça. Voyons voir ça. S'il y en avait un ou deux, Arxper, je m'en foutrais. Le problème, c'est que c'est régulier. Et comme le dit Lou, c'est la régularité. C'est bien sûr, c'est le jeu. Non, non, non. Non, c'est pas le jeu d'avoir des bouffons. Non. C'est aucun moment, c'est le jeu. Dis pas de conneries, par contre. C'est le jeu d'avoir des gens qui disent des conneries comme des gens bien. Il y a un quota forcément d'idiots. Quand tu fais quoi que ce soit, ça c'est le jeu, on est bien d'accord, mais pas 2 ans après la sortie du jeu, faut pas déconner. Qu'il y a des gens curieux par contre au sujet du produit, ça c'est parfaitement normal. Il y a une différence entre curiosité et toxicité. Attends, LFG, Hatchery, DD. Alors attends, Scarabée d'or. Ils doivent coûter une fortune, non? Ouais. Je vais juste en acheter un. Et on va voir ce que je peux crafter avec ça à la forge. Nice. Meilleurville, le marais d'être à Meilleurville. Enfin, Twilen. Ok, donc là, j'ai bel et bien la quête du dévoreur. Il y a du boulot. Hein. Faut que je finisse mon skin aussi, parce que là, c'est pas possible. Alors, est-ce que je peux crafter un truc avec ça? Le plus haut niveau que j'ai, c'est quoi? Ça se met où le scarabée d'or, tiens? Non, c'est l'épée de la dernière arme pour l'instant. Mais on connaît la prochaine arme qui arrive justement avec l'extension, qui sera l'arme de soutien. Bonjour Zax. Ça sera une arme de soutien. Ice Wheat, c'est ta team. Faut que t'arrêtes les blagues, Polak. Vraiment. Sentez vos... Sentez votre maman. Sentez le truc. S'il vous plaît. Les éclats intemporels. Ah, attends. Important, hein. Éclat d'épée longue et temporelle. Je suis con ou... Où est-ce qu'on les met, putain, les éclats intemporels? Je veux bien si quelqu'un me... Soit j'en veux plus. Où est-ce qu'on les met, putain? Ça a changé, non? Comment est-ce que j'utilise mon... Parce qu'il me semble bien que ce soit l'épée longue. Ou alors c'est dans autre chose, non? Attends. Casque, armure... Épée en auricale, que c'est 200... Ah putain, faut être 200, peut-être. Non? Attends. Ah si, je suis passé au niveau. C'est des trucs plus haut niveau. Fuck. Ok. Bon. J'ai la réponse. Oui, 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 je le portais avec moi, mais c'est des armes plus haut niveau. Je peux faire déjà le recalque. Mais tu vois, par exemple, si tu prends... attends, elle est où? En gros, les armes avec l'éclat temporel, c'est forcément 200, j'ai l'impression. Genre là, on voit épée longue en recalque. C'est la version verte, et là, je peux mettre les éclats temporels ici. Hein. Et le scarabée d'or. Donc, en gros, il faut faire les trucs plus haut level. Il faut que je passe max, en fait, en vocation de l'arme. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Ok. D'ailleurs, j'en suis côté thune, 23 000, ok. Bon, on va monter un petit peu.
Ok, alors, déjà on va aller vendre. Est-ce que ça se vend un peu plus cher ou pas encore? Voyons voir ça. Ça se vend combien actuellement les pierres aiguisées? Oh, elles sont où? Je les ai mises à haute chute? Je les ai mises où, putain? Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Ah putain, les gens sont passés sur les ultra puissantes. Oh le délire. Bon, attends, on va essayer. Grain du feu. Ok. On va voir un peu ce qu'on peut crafter. 2000. 2007, 3000, 4000. Parfait. Ah putain. Ok. Ok. On va voir. Hein. Peut-être que c'est en art obscur. Finalement, je vais le faire en premier. Ça parlait pas. Si les doubles dagues sont très attendus, c'est juste que pour l'instant ils les sortent pas parce qu'ils ont pas encore l'idée, pas encore le truc pour ça quoi. Mais on suppose que ça sera l'arme d'après. Hein. Mais voilà. Ça arrive, la question n'est pas de savoir si ça arrive, c'est plutôt quand ça arrive. Et pour l'instant, je suis la prochaine arme cette année, c'est donc... C'est l'arme de soutien, on sait pas encore ce que c'est, on sait juste que c'est l'arme de soutien, ça, ils ont confirmé ça. Dans un des devstream. Source, leur chaîne YouTube avec le devstream. Alors, volume de la mort, 888. Nice. Volume du feu, ok, j'en ai un peu moins, mais ça va le faire. Bonjour, psycho. Négatif, Bulan, ce n'est plus le cas. Enfin, si, tu répartis toujours entre tes villes, mais tu le gères plus facilement. Tu verras ça. Hop. Je sais même pas de quoi tu parles dans ce cas-là, Polak. Comme d'hab, je ne comprends pas ce que tu dis. On peut essayer de faire les quintessences de la mort, en vrai. Vas-y, on va voir. Je ne sais pas ce que c'est un Ice Wheat. Voilà, je pense que c'est quelqu'un peut-être, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je m'appelle pas Ice Wheat parce que je suis parti d'une team, j'appelle Ice Wheat parce que. Bon, j'en ai vraiment rien à foutre de ton streamer, Polak. Ça, c'est pas nouveau pour le coup. Je m'appelle Ice Wheat parce que c'est mon seul depuis 20 ans, c'est tout. Tac. Ok, nice. Câble. Et c'était quoi déjà comme composant? C'était des magnétites, peut-être un peu plus. On va voir. Les trames. Ah, attends, elles sont où les. Si, elles sont bien là pourtant, pourquoi je les ai pas trouvées? Alors, voyons voir. Pour les pierres aiguisées. Putain, je peux les faire ou pas? Attendez, je viens de ticketer, je suis peut-être un connard. Ah, oh, je vais me sentir très très bête. Fuck. C'est des obsidiennes du néant. Ah, après, c'est pas. Si, je peux monter, je peux monter. Je sais comment monter. Ça va le faire, je peux monter, j'ai le recalque, on est bon. On peut déjà faire, attendez. 48 166, 25 128, 25 000. Ok, donc là on a 48 000 pour la première, excellent. On va par contre utiliser les bons composants de merde parce que je m'en peigne le cul, ça ne change rien. L'arme, ok. Yes, un level, pas mal, très bien.
Ensuite. 41 000, excellent. Tout ce que je veux. Toujours les compos nuls. Voilà, et voilà. Le but du jeu maintenant, c'est de passer. Espoir brisé à 34 000. Voilà. Ça va être de passer avec tout ça. Ok, la rapière rapporte un peu moins. L'espadon, 22 000. Bonjour, soin du sud. Ça marche, Soula. Merci pour ton retour. Alors, 22, mais ça demande moins de compos. Généralement, c'est quand même toujours intéressant. Ok. Putain, c'est long à monter, hein. Faut que j'atteigne les 170, là. Ça va être costaud, hein. La rapière, j'ai encore le buff. Vas-y, go. Ok. Et là, je double que j'ai pas encore faite. Magnifique. Bientôt 168. Excellent. D'accord. Bonjour, l'astro. Le pavois. Fabrication d'armes. 33 000. J'aime. On va faire un petit pavois. Allez, deux levels. On va dés un peu tout ça. C'est vraiment de rechoper le récal qui est un petit peu quand même. Ok, alors. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voyons voir ça. Dans les donjons, là, j'ai pas un truc peut-être à crafter. 234. Non, ça, je m'en fous. Par exemple, si je faisais une arme au pif, c'est combien? Marteau stellaire brutal, une polarité 5. Réplique d'armure lourde brutale. Bernac, les poudres noires, par exemple. 64 000, c'est pas mal, ça. Ok, je vais aller prendre les compos. Je vais aller prendre les ressources pour voir si ça se trouve, ça le fait. Parce que là, une fois 170, je vais monter beaucoup plus vite. Je vais peut-être même faire la du pognon. Ok, donc haute chute, hop. Le vent est toujours pas là, hein. Non, toujours pas, ok. Et je sais que c'est pas là pour l'instant. Promis, j'ai suivi, hop. Et ses ressources, s'il vous plaît. On va faire avec, c'est pas grave. On peut marcher lentement. Je sais plus si c'est ressources ou si c'est les mods qu'il me faut. Je crois que c'est les ressources uniquement, mais... Mais non, c'est les ressources. Sans carré puis les mods, quoique. On va garder les deux dans le doute. Merci Nastro. Alors pour le coup, sache qu'on l'a regardé il y a pas longtemps, parce qu'on en parlait en stream, et elle est pas du tout obsolète, hein. Rien n'a changé. Dans tout ce que je disais sur la vidéo, rien n'a changé, toujours à jour, vis-à-vis du choix des jeux, vis-à-vis d'être... Aujourd'hui, on est toujours les précurseurs sur Twitch, hein. On est qu'au début de Twitch, on est 140 millions d'utilisateurs, c'est que là, là. Je rappelle, hein, YouTube c'est 3 milliards, donc c'est 30 fois plus. Résultat, tu vois, on est encore au début de Twitch, moins qu'il y a quelques années, mais encore quand même au début. Ingénierie. Non. Note de recherche. Oui. De ouf. Voilà. Allez. Goles. Oricalque. Oui. De ouf. Emplacement d'objets à l'inventaire unique restant. Ah putain, dans l'inventaire aussi, t'es limité. Ah merde. Attendez. What the fuck. Chelou ça. Ça va comprendre. Ok. Ah oui, là j'ai trop de composants individuels, d'accord. Tout à fait. Peu importe la motivation, oui, elle restera intemporelle. Qu'elle est liée à l'humain, donc oui, effectivement. Du tout, Arkspire, du tout.
Attends que la télé ou autre s'en mêle beaucoup plus, tu verras ce que ça peut donner. Non, non, on reste encore aujourd'hui les précurseurs de Twitch. Que ce soit en tant que viewer, comme streamer. On n'est pas des dinosaures comme le sont un Zerator, un MV ou des mecs sont, ou un Lyric. Hein. Un Lyric, un Cocarnage, des mecs qui sont là depuis 2010, hein, depuis 2011. Ça, c'est des dinosaures. Mais Twitch est encore très calme. Tout est encore à faire. Attends, T5, pourquoi c'est que 18 000? C'est nul. Attends, j'avais vu les trucs là qui rapportaient de ouf. Salut Unity. Unity s'est trouvé une vie d'une personnalité depuis. Terrible. Ah voilà. Ah voilà. Là on cause. Oh là oui. Oh là on cause là. Ah ouais. Ah voilà. Là on est bien là. Ok. Chut avec ça on devrait être bon hein. Genèse. Pigving Balek. Je te reconnais bien là. Ok c'est bon, je vais les avoir les 170. On va les faire dans l'ordre. Espadon. Allez, une dernière, on est bon. Je pensais que la hache double, ça le fait. J'adore la musique. Yes! Ok, 170. Ah, fait plaisir. Ok. Maintenant. Alors. On va aller là-bas, on va aller voir ce qu'on peut faire comme obsidienne du néant. Je pense que la réponse à la question est loupée. S'il avait la fibre, il aurait eu besoin de télécharger cette nuit. Alors. Obsidienne du néant, x9. Pas loin, magnétite taillée, magnétite. Ok, il va en falloir beaucoup, très bien. Ok, il va falloir du compo, pas de problème. On va monter la taille de pierre, ceci dit. Voilà. Quelqu'un veut faire l'ennéade pour le périple. Oh, mais en... je peux pas pour l'instant, ouais. J'ai intuité. C'est vrai que j'allais dire en MM, pas pour l'instant. Pas sur les métiers, moi aussi, mon propre périple. Alors. Donc maintenant, je devrais avoir les... pierres aiguisées ultra puissantes et je peux en faire 25. Magnifique. Oup là, voilà, les consommables, ouais. Et je suis toujours trop lourd. Fuck. Pas grave, on va les stocker. Ok, et on va essayer d'en vendre plus. Pas de soucis, t'inquiète, il y a pire. Pas de problème. Oh, j'ai le casque. En même temps, je suis à... bah ouais, 8h de... 6h30 de live, c'est ça qu'on a commencé hier. Luc le torse et c'est bueno. Et merci à Wallfire. Pourquoi j'ai pas les follow, c'est chelou. Alors, peut-être quand j'étais au chiotte. Peut-être que c'était quand j'étais au chiotte. Désolé, je t'ai raté dans ce cas-là, Wallfire. Alors. Hop. Haute chute. Oui, on stocke les mods, on stocke les ressources. Ok. Alors, haute chute, est-ce que j'ai la taille de pierre là-bas? Non, j'ai que la joaillerie et je m'enquiers le fion. Très bien. On va amener ça au marais des trames, fonderie, menuiserie, tac, air obscur, teinture. Voilà. Excellent. Joaillerie, on récupère, on amène ça à haute chute. Voilà. Très bien. Alors, il nous faut de la pierre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pierre. En attendant, on va stocker à Oménil. Ah ça, ça a toujours pas changé ça. Supportable. On va faire avec, pas de soucis. Là. Je vais stocker mes petits trucs au Ménil parce qu'on va aller utiliser de la pierre. 10 000 PO restants, ça le fait.
Ce serait bien que je vende les pierres aiguisées ultra puissantes. On va essayer de continuer de monter. Ok. Alors, vendre. Où est-ce qu'elles sont? Non mais je suis aveugle. Mais... Je suis aveugle ou con, un subtil mélange des deux, mais... Pierre aiguisée puissante. Bah elles sont là, mais... Attendez. Non mais je dois être gogol, hein, c'est... Je me fais peur, hein, je vous jure. Hein. Je vais les prendre sur moi, mais... J'arrive pas à les retrouver pour les vendre, putain. Il y a une grosse remise en question intellectuelle, là. Hein. Soit je bug, soit je bug. Il y a un des deux. Il y a quelqu'un qui est pas bien. Alors là, elles sont plus là. Ok. Mais elles sont où, putain? Roménie? Là. Ah oui, ok. Là, c'est normal. Ok, donc là, je suis con. Je suis bel et bien taré. Très bien. On y retourne. Pourrais-je vendre mes pierres aiguisées? Je regardais la dernière fois, je les voyais toujours pas, mais... Ah putain, j'avais pété un câble. Alors, elles sont à combien actuellement? Putain, ça s'est cassé la gueule, les prix, hein. On va en vendre une chier, voilà. C'est pas dingue, mais ça va faire quelques PO quand même. Ok. Alors. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'achète de la pierre. Beaucoup de pierre, en vrai. Pierre, tout court. On va acheter beaucoup de pierre. 8800, ça fait combien, 8800? Non, ça fait beaucoup, quand même. Je crois que c'est les feuilles qui vont me manquer. Papier. Ouais, il va me manquer ça. Voilà. Et maintenant, de la magnétite.